Pour les personnes qui viennent d'arriver, vous assistez à un spectacle qui nous vient de Corée du Sud et qui a fait une tournée en Europe et qui termine aujourd'hui à Paris devant la Sorbonne, et on en est fiers. C'est une troupe qui s'appelle Among Zae, et le spectacle d'aujourd'hui a pour thème le soulèvement populaire de Wangchu en 1980. C'est une histoire tragique qui a rendu sa fierté au peuple de Corée. En 1980, les forces militaires fascistes de Corée du Sud prennent le pouvoir. Les manifestations d'étudiants s'organisent dans tout le pays. À Wangchu, les protestations des étudiants deviennent celles de tous les citoyens. Les soldats décident alors de réprimer la foule avec des armes à feu et des couteaux. Des coups de feu sont tirés sur la foule des manifestants et plus d'un millier de personnes sont alors tuées. Le nombre total de citoyens de Wangchu tués pendant le soulèvement n'a jamais été révélé. Et les responsables n'ont pas été punis. Il nous incombe de découvrir la vérité. La prochaine chanson, ce sera la chanson du 1er mai en 1980. C'est la chanson qui en fait présente le démarrage du mouvement de la commune. Donc, voilà. Thank you.
Je vais vous lire la déclaration de la plateforme anti-apparition mondiale, qui est l'organisation qui organise cet événement musical. La camarade vient de lire. Mettons fin à l'impérialisme qui est à l'origine de la crise et des guerres et construisons un nouveau monde centré sur le peuple. La source de la troisième guerre mondiale sont les agresseurs impérialistes américains. La guerre en Ukraine a commencé avec le coup d'État de Maïdan en 2014, qui a été organisé par l'impérialisme américain. C'est intensifié avec 8 années de massacres des populations russophones et d'attaques dans la région du Donbass. Depuis la troisième guerre mondiale masculine, depuis 2022 et l'intervention, la guerre en Ukraine. Les forces pro-américaines et néo-nazies envisageaient de rejoindre l'OTAN étaient préoccupées par la guerre d'agression dans le Donbass, obligeant la Russie à entrer en guerre. La stratégie américaine pendant la Troisième Guerre mondiale consiste à intensifier la Troisième Guerre mondiale qui a commencé avec la guerre d'Ukraine et s'est intensifiée avec les guerres de Palestine et du Moyen-Orient et continuera avec les guerres en Corée du Sud et à Taïwan. Comme tout le monde le sait, les agresseurs américains mènent la Troisième Guerre mondiale par procuration par le biais des forces fascistes pro-américaines comme Zelensky et les néo-nazis dans la guerre en Ukraine, et Netanyahou et les fascistes dans la guerre en Palestine et au Moyen-Orient. De même, Yoon Suk-yeol, en Corée du Sud, un fasciste belliciste pro-américain, et aussi marionnette, est utilisé comme une marionnette de guerre pour la guerre en Corée du Sud. En particulier, Yoon Suk-yeol, qui a connu une défaite écrasante aux élections générales sud-coréennes du 10 avril, est de plus en plus susceptible de choisir une guerre d'agression comme le pire moyen d'éviter la crise totale à laquelle il est confronté. En raison des agresseurs impérialistes américains et du fasciste Yoon Suk-yeol, les guerres en Corée du Sud et en Asie de l'Est sont devenues plus imminentes. La capacité de surmonter la situation de guerre dangereuse actuelle réside dans le renforcement de la lutte commune anti-impérialiste dans le monde. Avec la puissance des peuples d'Europe, nous devons démanteler l'OTAN, qui est l'alliance de guerre d'agression impérialiste, et éradiquer les agresseurs impérialistes qui sont à l'origine de la guerre à travers la lutte commune de l'humanité progressiste dans le monde. Nous sommes convaincus que la mission historique de la plateforme anti-impérialiste mondiale, dans les circonstances de la Troisième Guerre mondiale, est de mettre fin aux ennemis communs des peuples du monde, l'impérialisme américain, l'OTAN et les marionnettes fascistes. Nous continuerons à avancer vers une nouvelle victoire de la démocratie populaire, avec la conviction scientifique que les peuples du monde doivent s'unir et que le peuple uni vaincra. La victoire finale du camp anti-impérialiste est juste et inévitable. Arrêtez la campagne impérialiste vers la guerre, démantelez toutes les bases américaines, le peuple uni vaincra. Pour remettre dans le contexte, à travers le récit des mémoires de la résistance à Wangchu, le peuple coréen a vu le vrai visage des États-Unis, qu'il considérait comme une alliance de sang. 80 ans après la libération, les États-Unis disposent toujours de troupes en Corée du Sud et le commandant de l'USFK, United States Force in Korea, détient toujours le contrôle opérationnel de la Corée du Sud en temps de guerre. En tant qu'État souverain, cette situation est inacceptable et honteuse. La Corée du Sud n'est pas le seul endroit à connaître ce genre de situation. De nombreux pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe souffrent de l'agression impérialiste des États-Unis. Soli 없는 동거리여들
En 1971, il y a eu un gros mouvement de répression, une révolution et des tentatives d'avancer. C'est ce qui s'est passé à Wangshu en 1980.많은 유럽의 민중들이 고통받고 있습니다. 분단된 한국의 민중들 또한 마찬가지입니다. 제국주의에 맞서 싸우는 것만이 우리가 그토록 바라는 자유와 평화, 평등을 이룩하는 일입니다. 단결된 민중의 힘으로 새로운 세상으로 걸어나갑니다.
당당히 걸어 나갑시다. Aujourd'hui, de nombreux peuples dans le monde souffrent des politiques d'agression de l'impérialisme et de l'OTAN. C'est particulièrement le cas pour le peuple coréen qui vit dans un pays divisé en deux depuis plus de 70 ans. Pour moi, la seule chemin qui nous mènera à la liberté, à l'égalité et à la paix, c'est de mener un combat contre l'impérialisme. Ouvrons-nous une nouvelle voie, une nouvelle histoire par la force d'un peuple uni. La réunification des deux Corées sur un modèle socialiste. C'est important pour nous de vous le dire, c'est une tournée qu'on tient à faire. Vous voyez, il n'y a pas de chapeau. Souvent à Paris, quand les artistes se produisent, parce qu'ils ne vivent pas d'amour et de refresh, ils proposent un chapeau. Là, les camarades ne le proposent pas parce qu'ils sont encadrés par la plateforme anti-impérialiste. C'est le drapeau que vous voyez derrière nous. Donc ça reste du spectacle. Ça reste aussi un moment historique parce qu'il faut rappeler ce pourquoi ils sont venus chanter, pour rappeler la commune de Hwangsu, un soulèvement qui a duré une semaine, qui s'est terminé par une semaine sanglante comme nous, la commune de Paris en 1871. Et je vais laisser la parole à mes camarades, mon camarade, où es-tu ? Là, du PRCF, qui va faire une intervention politique. Vas-y, vas-y, approche-toi, le film est passé. Merci beaucoup. Non, j'ai presque honte d'intervenir après un moment aussi intense. Et vraiment, longue vie à Hemangse, ça veut dire l'oiseau de l'espoir. J'espère qu'ils vont s'envoler encore vers d'autres pays et revenir bientôt nous voir. C'est très émouvant. On voit bien sûr, on connaît ici en France le professionnalisme de tout ce qu'on appelle au sens très large la K-pop, et c'est normal qu'ils aient ce succès. Et c'est intéressant de voir aussi dans le contenu des chansons de nous rappeler un petit peu ce qu'est le destin quand même de ce pays qui, déjà, que l'Occident a laissé se faire coloniser par l'impérialisme japonais, dans l'indifférence la plus totale. Hein. Je rappelle que le délinquant coréen s'était suicidé en pleine réunion, alors que toute la communauté internationale, on parlait pas ce terme à l'époque, mais justement, avait laissé faire. Et après, bon, bah, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un pays divisé, et l'occupation des bases américaines. Et ce pays a le droit de vivre normalement, ce pays qui en plus était une victime du fascisme pendant la guerre, qui a comme le droit à sa dignité, à son indépendance nationale, à sa souveraineté. Et à force de ne pas dire les choses, nous vivons tellement plein de mensonges dans cette actualité que ça finit par nous ronger. Et on laisse faire beaucoup de choses sur le plan international qui sont absolument inadmissibles. Et je suis très ému de voir ce contenu politique pouvoir s'exprimer, y compris dans ce très beau cadre de la Sorbonne. J'en pensais quand même à l'anniversaire dont on ne parle pas beaucoup. Cette année, c'est le 300e anniversaire de la naissance d'Emmanuel Kant. Alors, pourquoi je parle d'Emmanuel Kant? Parce que vous savez qu'en 1795, donc il est né en 1724, en 1795, Emmanuel Kant a rédigé un projet de paix perpétuelle, dont d'ailleurs la 6e partie est un des fondements, est à la base de la SDN puis de l'ONU, et présente les possibilités d'une entente de l'humanité tout entière dans un droit international, et pour éviter d'aller jusqu'à ce qu'on appelle Ausrottungskrieg, c'est-à-dire la guerre d'extermination. Donc on y est toujours, alors souvent, malgré tous les mérites d'Emmanuel Kant, c'est-à-dire, je rappelle quand même, les Lumières, c'est-à-dire l'autonomie de la personne humaine, c'est sa définition de quand l'être humain doit atteindre un stade de minorité où il se donne ses propres règles. Vous avez quand même, chez Kant, vous avez la possibilité de prendre l'individu non comme moyen, mais comme fin, toujours comme fin.
Et cet appel à l'unité, cet appel à l'universalité de la morale et donc de la possibilité d'une humanité réconciliée. Alors tout ça, c'était l'esprit de Manuel Kant, on pourrait dire de la bourgeoisie révolutionnaire, de la Révolution française. Et bien sûr, ça aboutit à du droit formel. Bien sûr, ce formalisme a été, disons, poussé jusqu'à ses dernières conséquences par des gens plus progressistes qui voulaient aussi sortir, compléter ce droit formel par une liberté, par la prospérité sociale, économique, par beaucoup plus de justice, égalité. C'est là on revient à la critique de Marx du droit formel bourgeois. C'est, tout ça, ça reste vrai. Mais on mesure aujourd'hui le recul terrible par rapport à ce projet de Pacte Mutuel et cette pensée des aspects progressistes de la Révolution française. Où en est-on aujourd'hui quand on voit que nos dirigeants sont prêts carrément à nous envoyer dans la Troisième Guerre mondiale, après que dans les médias on nous a raconté à longueur de journée qu'il fallait défendre la démocratie en Ukraine, c'est-à-dire le bataillon Azov, c'est-à-dire les bandéristes, c'est-à-dire ces gens qui, entre Kiev et Babillard, ont créé une rue qui s'appelle Bandera. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça qu'on nous a dit pendant des années. Aujourd'hui, maintenant, on nous dit qu'il faut arrêter un massacre en Palestine, mais personne ne met fin à la livraison d'armes. On laisse dans notre pays s'assimiler une propagande, s'assimiler le n'importe quoi. Et ça, c'est propre à la fascisation. C'est propre à, dans ton avis, certains régimes fascistes, où évidemment, ça rongeait les gens de l'intérieur. Vous ne pouvez même plus avoir une information correcte, juste, honnête. Et le tout et le n'importe quoi est poussé jusqu'à l'extrême. Après, il ne faut pas s'étonner d'avoir un président qui envisage d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. C'est-à-dire qu'une puissance nucléaire s'oppose à une puissance nucléaire. Donc, je mesure simplement, je fais cette remarque. Sous le regard de Sorbonne-École, j'allais dire, on mesure la décadence de la bourgeoisie française qui fut révolutionnaire et qui aujourd'hui arrive à une catastrophe, parce que ce qu'un penseur qui s'appelait Georg Lukács a appelé la destruction de la raison, et qu'il a appliqué particulièrement à l'Allemagne. Le sous-titre de son livre s'appelait La destruction de la raison de Schelling et Hitler. C'est-à-dire comment, en fait, toute la philosophie allemande avait laissé faire l'irrationalisme et le n'importe quoi, et avait laissé s'infiltrer une véritable décadence morale, décadence intellectuelle, décadence méthodologique, décadence dans les sciences. Et récemment, je lisais par exemple la Russie Review. La Russie Review est très célèbre parce que c'est un journal socialiste qui a publié Feinstein, notamment ses pensées contre la guerre nucléaire, précisément. Et il parlait de la décadence de la raison, dans les termes de la destruction de la raison, dans les termes de Lukács. Il disait s'il y avait vraiment un pays qui avait contribué à cette destruction de la raison après l'Allemagne, après la guerre, c'était la France. Et quand je vois que en même temps, là, qu'on peut encore se prétendre en même temps de gauche, en même temps de droite, et prendre une position qui est ouvertement fascisante, c'est-à-dire déclencher à l'encontre même de la volonté du peuple français de la Troisième Guerre mondiale. Bon, bah, écoutez, pensons à Emmanuel Kant, pensons à l'unité du genre humain, et merci à nos amis coréens de le rappeler. Bah, je vous remercie. On va faire une petite proposition pour celles et ceux qui veulent bien de venir derrière la banderole, ne serait-ce que pour le souvenir de leur passage en France sur la place de la Sorbonne avec des Parisiens derrière la banderole, ce serait génial. Celles et ceux qui, franchement, genre Lucas, si tu veux bien montrer l'exemple et te lever et venir vers la banderole, ce serait sympa. Et pour ceux qui ne veulent pas, vous pouvez aussi chanter l'international avec les chanteurs et les chanteuses. Et la dernière chanson, après on est libéré. Découvrez la magie de la terre, découvrez.
Yeah.